ורבותיי, שופטים, אלול, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, comme la fameuse drasha, les chachamim, l'homme il a des sha'arim, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, ce sont les sha'arim du corps. Les sha'arim, c'est les portails. Quelle communication a le corps, la neshama, avec l'extérieur? Les sha'arim, ils ne communiquent pas avec la main. La main, elle ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Les yeux, ils savent ce qui se passe. Les yeux sont les yeux de la neshama. À l'intérieur, on a une neshama. Comment elle voit? À travers les yeux. Comment elle entend? À travers les oreilles. Comment elle parle? À travers la bouche. Ce n'est pas le corps qui parle, c'est la neshama qui parle. Comment elle sent? C'est sha'arim. Attention, c'est sha'arim là. Tassim shoftim v'shoterim. Mais des shoftim. Shofet, c'est lui qui va juger comment agir. Shoter, c'est lui qui va punir. Il faut mettre des shoftim. Comment je vais utiliser mes yeux, mes oreilles, ma bouche? Et si jamais on a mal utilisé, mets des shoftim qui mettent oi va voy, faire tchouva. Alors dans cette paracha-là, on a un pasouk qui est un yesod. Comment on dit yesod? Eliaou. Fondement, un des fondements sur lequel repose le judaïsme, le juif, le yéhoudi. Toute la tsoura du yéhoudi, du judaïsme, de la Torah entière, repose sur un des fondements qui est ce pasouk-là. Lequel? Où il est? En bas, tu m'as dit. Il est disparu. Hein? J'ai tourné la page. Ah, parce que j'ai tourné la page, Shoftim. Ah, j'ai tourné beaucoup de pages. Tamim tiye im Adonai Elohecha. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Dirashi. Italech imo bitmimut vetetzapelo. L'homme, il marche tordu. Il a. Parle de moi-même. On cherche des ruses. Non, mais si je vais faire comme ça, mais si je vais faire comme ça, mais peut-être comme ci, peut-être comme ça. Et pourquoi ça s'est arrivé? Oh là là, si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça, ce serait pas arrivé. Ah, si j'étais pas allé là-bas, j'aurais jamais. Et pourquoi maintenant j'ai ces problèmes? Et comment je vais m'en sortir? Réponse. Tamim tiye im Hashem elokecha. Sois intègre avec Hashem. Vetetzapelo. Et né d'espoir qu'en lui. Il n'y a que lui, qui peut tout faire, qui peut m'aider. Et lui est aussi la raison de tout. Et il ne faut pas chercher. Il faut, en vérité, il ne faut rien chercher. Une fois, il y en avait un élève, Raham, il avait un rave qui connaissait toutes les chokhmot. Toutes les sagesses, il les connaissait. Même Sichat Ofot. C'est écrit dans un midrash, cette histoire. Sichat Ofot, ça veut dire les poulets. Ils parlent entre eux. D'accord? Nous, on entend Cocorico. En réalité, ils parlent. Et ce Chacham-là, il connaissait Sichat Ofot. Et l'élève, il a pris de son rave beaucoup, toute la Chokhma, sauf ça. Et il a supplié son rave qui lui enseigne comment est le dialogue des Enfot, la langue des Enfot, enseigne-moi. Le rave dit, c'est pourquoi faire? À quoi ça va qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va te servir à rien, ça va te servir à rien. Mais l'élève, il a insisté. Tov, l'autre, il m'a dit, le rave, il a vu l'élève, il insiste tellement. Et il s'est assis avec lui, et il lui a expliqué toute la langue des Enfot. En fait, des volatines, des poulets. Il était content. Et cet élève-là, il avait un poulailler chez lui. Il avait aussi d'autres animaux, il avait toutes sortes de... Il avait un poulailler. Un jour, il passe à côté du poulailler. Il entend les poules parler entre elles et dire « Oh là là, le pauvre, notre Baal Abayit. » La poule dit « Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Parce que cette année-là,
tout son bétail, il va être frappé par la maca de Devil. Tout son bétail va mourir. Ah, le pauvre. Lui, il passe, il entend ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a bradé tout son bétail, il a vendu, il a ramassé beaucoup, beaucoup d'argent. Et bon, Hachem, il a sauvé tout son argent. L'année d'après, il passe à côté de son poulailler. Et il entend son poulet, des poulets qui parlent entre eux et qui disent, le pauvre Baal HaBayit, cette année, il y aura une inondation dans ses champs. Et toute la tevoua qu'il a fait pousser, elle va tout de suite, il a tout coupé, même si ce n'était pas arrivé encore à... Et il a tout vendu. Hachem est devenu riche. L'année d'après, il passe à côté du poulailler et il entend deux poulets dire, oh yaya, le pauvre Baal HaBayit. Pourquoi? Cette année, il va mourir. Il entend cette année, il va mourir. Et là, il va se vendre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Cette année, il va mourir. Et là, il ne savait plus quoi faire avec lui-même. Il savait plus. Il était complètement brisé. Il a couru vite chez son rave. Il dit que votre rave, vous ne vous rendez pas compte ce que j'ai entendu aujourd'hui. La pire nouvelle de ma vie. Vas-y. Quoi? Il va mourir avant l'heure. Il était jeune. Il va mourir avant son temps. Le rav lui a dit, je t'ai dit qu'il fallait pas que je t'enseigne. Pourquoi? Parce que si jamais il savait pas ce que les enfants disaient, la première année où son bétail devait mourir, eh ben son bétail serait mort. Hein? Exactement. Akadosh Baruch Hu, il fait du hesed avec lui. Qui tue son bétail au lieu de le tuer à lui. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Il y en a qui payent avec sa vie, il y en a qui payent avec son mammon. Payer, faut payer. Payer, faut payer. On fait d'arvérot, il faut les payer. Si on arrive à faire tchouva comme il faut, sans besoin de payer, c'est le mieux. C'est dur de faire une tchouva parfaite. Alors, il faut payer. Mina Shamaim, on a eu pitié de lui. On a dit, au lieu de prendre à lui, on prend son bétail. Lui, il a entendu dire, en fait, il a sauvé son bétail. Donc, comment il va payer maintenant? Tov, l'année d'après, on a eu pitié encore une fois de lui. Au lieu de prendre son, lui, on va prendre sa récolte. Lui, il a sauvé sa récolte. Donc, la troisième année, on le prend lui. Tamim, tiye, imashem elokecha. Il faut être ma'amin que Kadosh Baruch Hu, ce qui nous amène, c'est Tov. Ah, c'est comment je vais faire, c'est pas bien. Endavar kazé, c'est pas bien. Endavar kazé, c'est pas bien. Tout ce qu'il amène à Kadosh Baruch Hu, c'est bien. Même qu'on est persuadé que si on avait fait autrement, ça ne serait pas arrivé. Et ça va très loin. On ne peut pas maintenant détailler, comme je n'ai pas beaucoup de force pour détailler. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il met l'homme dans une situation où il est sûr que c'est son erreur qui a causé cette chose-là. Et en vérité, ce n'est pas une erreur qu'il a fait, c'est Hachem qui l'a mis dans cette chose-là. Ce n'est pas lui, il n'avait pas de libre arbitre à ce moment-là. Ça va très loin, les cheshbonot d'Hachem vont très très loin. Il dira chez Akadosh, Italer imo bitmin mut vetetzapelo. Tetzapelo, ça veut dire il faut avoir d'espoir quand Hachem. Il faut espérer quand Hachem. En rien d'autre, en personne d'autre. Velo tahkor ha'atidot. Ne va pas chercher à connaître l'avenir. Ils avaient des moyens à l'époque. Tout ça, c'est des sortes de sorcelleries, des choses qui me permettent de savoir qu'est-ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu dit, il veut pas que tu saches ce qui va se passer. On a demandé à Reb Chaim même, Kanievski, est-ce que on peut savoir si c'est une fille ou un garçon, le bébé dans le ventre? On peut ou pas? Ça, c'est autorisé? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ch'touyot. C'est des bêtises. Pourquoi? Dans le Midrash, il écrit, sept choses sont volées de la connaissance de l'homme. Une des sept choses, c'est le bébé qu'a sa femme dans le ventre. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? L'homme n'est pas censé savoir. Tamim tiyé. Bon, je ne dis pas maintenant, il n'a la chak, c'est assourd ou pas assourd. Le prime, il disait, c'est des bêtises, il ne faut pas se comporter de cette façon-là. Ce qui naît, il naît. Okay, tu as reçu du bleu, bah, tu regarderas pour le prochain garçon. Des vêtements bleus, là c'est du rose. Et il faut acheter tout rose. Parce que c'est pour ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir quelle couleur on achète les trucs, quelle couleur on peint la chambre. Un afkamina, fait en gris. Pour tout le monde.
ולא תחכם רואה אחר עתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, וסקי תריב, אקספט, אבק תמימות, אבק תמימות, איפה את תמים, אבק השם יתברך, ואז, תשמעו טוב, בפירוש בפסוק, תמים תהיה, סיטו את תמים, עם השם אלוקיך, הלוך תשויה אבק השם, ואז, תהיה עמו ולחלקו. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il prend la personne comme étant à elle, quand est-ce qu'un homme, il est zoché, il a le mérite de faire part de la nahala d'Hachem, d'être avec Hachem. Il n'y a pas plus beau que ça au monde, il n'y a pas plus important que ça dans la vie, d'être avec Hachem, d'être accepté par Hachem. Quand est-ce qu'un homme, il va être accepté par Hachem? Que quand il vit d'une manière où tout ce qui lui arrive, il sait que c'est mettre Hachem. Ça, c'est ce qu'on a parlé hier, c'est ça, Chodesh Elul. C'est ça, Rosh Hashanah. C'est ça, Amlichouni Alechem. Imrou le Fanaï Machouyot, dit des Malchouyot, on fait Malchouyot, Zichonot, Shofarot, tout ça, c'est pour la Malchout. Kedesh Tamlichouni Alechem. C'est quoi l'Amlich et Hashem? C'est quoi faire régner Hashem? Faire régner Hashem, c'est exactement ce pasouk-là. C'est être, vivre d'une manière où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, Enon Milvado, c'est lui qui fait tout. Et j'ai pas besoin de savoir. Comme il y en avait un, il y a un Adbour qui raconte cette histoire sur un des chassidim. J'ai oublié le nom de l'Adbour, il est connu, sur un des chassidim. Il raconte que ce chassid-là, il avait une kabbalah sur lui, il a pris sur lui une chose, de manière très ferme, qu'il ne fait aucun business avant la tefila. Même si on nous propose n'importe quelle affaire au monde, avant la tefila, rien. Parfois, les chassidim, ils peuvent prendre beaucoup de temps jusqu'à qu'ils arrivent à la tefila. Le matin. Ils ont toutes sortes de choses, toutes sortes de limoudim, tout ça. Ils veulent aller aux toilettes, tout ça. Ça peut prendre beaucoup de temps. Même s'il commence la tefila à 10 heures, il ne fait aucune affaire avant la tefila. Une fois, vient un des ministres importants le voir parce qu'il avait ses affaires, c'était, il avait une grande marchandise de fourrure. C'était un grand socher en fourrure. Il vient et il dit que pour l'armée du tsar, du roi, ils ont besoin d'un stock immense de fourrure et il lui achète tout son stock à lui tout de suite. Maintenant, il ne peut pas lui dire avant la tefila, il ne sait pas c'est quoi la tefila, pas la tefila. Alors pour le repousser, il lui a dit, comme ça le Admour il raconte au chassidim, sur ce chassid là, il lui a dit que il lui a monté le prix, il lui a doublé le prix. L'autre, il est doublé le prix, il est prêt. Il a triplé. Il voulait juste qu'il le laisse tomber, qu'il le laisse tranquille, qu'il oublie. Ah ben l'autre, il n'a pas. Non, il a un... Le double, il prend. Le triple, il prend. Le quadruple, il prend. Après, un qui monte le prix, il monte le prix. L'autre, il lui a dit, le goy, il lui a dit, je vois que t'es stam, t'es pas sérieux. Et il est parti. Et l'Admour, il raconte au Hasidim, il dit, vous voulez savoir c'est quoi la suite de l'histoire? Alors tout le monde dit, ah oui, c'est quoi la suite? Tout le monde attend là, nous, il a fait une Messirut Nefesh tellement grande, c'est quoi la suite de l'histoire? Alors tu vois, tous les Hasidim vont dire, oui. Alors il répond l'Admour, il dit, si lui, il n'était pas intéressé par la suite, pourquoi vous voulez connaître la suite? Lui, il a fait sa bête mémout, Tamim qui est Hachel Gréha. Pour une suite, il a fait ça. Si quelqu'un, il attend la suite, alors il manque de la tmimout. On fait parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a dit. Ah, qu'est-ce que je vais recevoir en échange? Alors, c'est plus tamim. C'est plus tamim. Il faut être intègre avec Hashem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu nous a donné Torah, mitzvot. Il faut être intègre avec Hashem. Et il faut s'efforcer d'accomplir de toutes ses forces la Torah, sans faire de Heshbonot. Maintenant, il ne peut pas aller dire, non, si je vais faire cette mitzvah, si je reste jusqu'après, allez nous le Shabbat, alors je vais rater le rendez-vous, et je vais perdre Tamim, qui est Mashem Elokecha. Et comme c'est Loul, et comme on n'a plus de temps, alors je vais vous dire quelque chose, un midrash que je n'ai jamais entendu. C'est la première fois que j'ai entendu ça, hier. Qui c'est qui parle de ça? Le Roche. Le Roche. Il dit,
dans Parashat Bereshit, il y a écrit qu'il y a deux anges, Rachid les amène, il y a leur nom, un il s'appelle Aza, et l'autre Aza, quel? C'est les noms de ces deux anges-là, ces deux anges qui ont vu, c'est écrit dans la Torah, Vayo bevenant aretz, ils ont vu les filles sur terre, ils ont vu les femmes. Femmes sur terre, ils ont vu une femme très belle. Ils ont dit à Hachem, on peut être un peu des hommes nous aussi. Pourquoi des anges nous sont bloqués là-haut? Azakash Bukhun a dit, vous voulez descendre, descendez. Ils sont descendus, ces deux anges-là. Ils sont arrivés chez cette femme-là. Cette femme-là, elle c'était une Betoula. Betoula, vierge, jeune fille. Et les anges, ils ont demandé, on parlait à la fille. La fille, elle leur a dit, moi je ne fais rien tant que vous ne me donnez pas vos ailes. Les ailes, vos ailes. T'as entendu ce message déjà? Jamais entendu ce message. Ken. Peut-être j'ai entendu, j'ai oublié. Alors les anges, ils étaient prêts, pas de problème. Tiens, voilà. Hop, ils ont enlevé les ailes, ils lui ont donné les ailes. Vakasha, maintenant ils se retrouvaient avec quatre ailes. Oui, deux anges. Chaque ange, il a six ailes, prénat. Bref, ils ont donné les ailes, peu importe le nombre d'ailes. Elle, elle a reçu les ailes des anges, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est sauvée. Elle est arrivée jusqu'à où? Jusqu'au Kissé HaKavod. Elle est arrivée jusqu'au Kissé HaKavod. HaKadosh Baruch Hu, il lui a dit que puisqu'elle a fait cette action-là de se sauver de la Havera, alors Kava Ota Bamazalot. HaKadosh Baruch Hu, il l'a fixé en tant que mazal, en tant que signe, comme on dit mazal en français, signe astrologique. Betoula, le mazal du Chodesh Elul, mazal Betoula. Elle est devenue mazal Betoula. Qu'est-ce qui représente le Chodesh Elul? Entre parenthèses, ces anges-là, il y a une suite à cette histoire. Ils se sont retrouvés sans ailes. Comment ils remontent? Ils ont trouvé le soulam de Yaakov. Okay? C'est pour ça qu'il y a écrit que Yaakov il a rêvé, Malachi Elohim, Olim et Odimbo. Les Malachim, ils ont besoin d'une échelle pour monter. Ils ont des ailes, ils peuvent voler. Non, ces Malachim, ils n'avaient pas d'ailes. Donc ils avaient besoin du soulam de Yaakov. Qu'est-ce que dit le Roche? Az. Mazal Betoula, c'est Chodesh Elul. Qu'est-ce qui représente ce Chodesh Elul-là? Se sauver de la Ravera. Se sauver de la Ravera. Se sauver de la Ravera. Faire tout ce qu'on peut faire pour se renforcer et éviter de faire des avérantes. Parce que j'ai entendu d'avoir fait. On a parlé un peu de ça hier. On a dit, la tchouva, on est dans une génération, c'est très dur pour nous. Tout n'est pas très clair pour nous. Tout n'est pas clair comme c'était clair dans l'esprit des rishonim, des geonim, des tzadikim de toutes les générations. Nous, on vit dans une génération, c'est très dur d'expliquer la tchouva, c'est très dur de faire vraiment tchouva, c'est très dur d'arrêter de faire des averot. De prendre sur soi, d'être tzadik gamour à 100% et de faire la volonté d'Hachem, de s'annuler à la volonté d'Hachem. Tamim tiye im Hachem logera, s'annuler à Hachem, c'est très dur. Même ce que, quand on fait la Torah et les mitzvot, si on remarque, alors on peut faire attention à quelque chose de pas agréable, que c'est très possible qu'un homme il fasse la Torah et la mitzvot pour lui-même. Pour lui-même. Sa Torah, ses mitzvot, sa manière de voir. C'est pas mamash la volonté d'Hachem. Alors c'est très dur. C'est pour ça que cette première partie-là, Ani le Dodi, et Loul, vous savez que c'est racheté votre, Ani le Dodi, Vedodi li. Dans Ani le Dodi, il peut y avoir Iridat Adorot. Mais dans Dodi Li, il n'y a pas d'Iridat Adorot. Ça ne change pas. HaKadosh Baruch Hu, il est avec nous, Chodesh Elul, comme il a toujours été avec nous. Il y a un des tzadikim qui a dit qu'il ne veut pas aller au Olam Abba. Il veut rester par Olam Hazé. Pourquoi? Parce que dans l'Olam Abba, il n'y a plus de Chodesh Elul. Dans l'Olam Abba, il y a Yom Hadin aussi. Chaque année de la mort, un homme il est jugé à nouveau. Mais là-bas, il n'y a pas Elul. Et plus Elul. Chodesh Rahamim v'Asenihot. Il y en a qui disent que même Elul, c'est tellement Chodesh de Rahamim qu'on peut lire les Tehilim la nuit. Vous savez que toute l'année, on ne peut pas lire les Tehilim la nuit. On ne peut pas faire Mikra la nuit. Tanakh la nuit, on ne peut pas. C'est Din.
Chodesh Elul, on peut. Je ne dis pas ça à l'Akhane Marzé. Comme ça, il y a un des Gdolim qui a dit. Tellement le Chodesh Elul, c'est Chodesh Rahamim Senihot. Tellement, Kadosh Baruch Hu, il est proche de nous le mois d'Elul. Tellement. Même si on ne sent pas, il faut être Ma'amin. Kadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Kadosh Baruch Hu, il veut de nous. Nous, on se sent éloigné de lui à cause de nos actions. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de lui. Il ne faut pas qu'on s'éloigne d'Hachem. Il faut qu'on soit proche d'Hachem Yitbarach. Parce que lui, il est très très proche de nous. Maintenant, il se cache parce qu'on est à la fin des temps. Alors, la naga d'Hachem, elle est très 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 voilée, très cachée. On ne voit rien, 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 rien. Aval. Adraba. Il est proche de nous comme il n'a jamais été proche dans aucune des générations depuis Briat HaOlam. Comme un père qui voit son fils en danger et tant que le danger il n'est pas imminent, ça va, alors il a l'œil sur le fils. Mais plus le danger devient grand et plus le père il est prêt à chaque instant à intervenir. Et plus le père il a les yeux sur son fils, il ne voit que lui, rien d'autre. Pareil, nous, dans notre génération. On est en danger d'extermination. Physique, spirituel. On est en grand danger. Et Akadosh Baruch Hu, il a les yeux sur nous plus que n'importe quelle génération. Parce qu'on est dans la génération qui est le plus en danger au monde. Toutes les générations d'avant, on ne pouvait pas annuler leur judaïsme. Ils se tuent comme ça ne les dérangeait même pas de mourir. Combien nos ancêtres, ils ont fait Messirut Nefesh pour rester juifs? Il faisait là que 1 million de personnes pour se faire tuer sur une pierre au bout du Beth Amikdash. Il parlait entre eux. Alors toi, pourquoi tu vas mourir? Ah, moi je vais mourir pour Shabbat. Ah, et toi, bah, moi j'ai fait la brite à mon fils hier. Bah voilà. Bah. Comme ça, il parlait. Comme ça, le Midrash, il dit, ils font là que 1 million de personnes pour mourir sur une pierre. Il leur a coupé la tête, Nebuzradan, sur une pierre. 1 million de personnes. Ils font la queue pour se faire couper la tête et ils discutent entre eux. Alors pourquoi toi tu vas mourir? Pourquoi toi tu vas mourir? Qu'est-ce que c'est ça? Que? C'était rien. Alecha oragnu kol hayom. C'était rien à mourir pour Hachem. La emouna d'Am Israël a été dans toutes les générations très forte. Aujourd'hui, pour rien, on perd le Nord. Pour rien, on se pose des questions. Pour rien du tout. Notre emouna, elle est très très faible aujourd'hui. Donc on a un grand danger spirituel. Combien de bahourim y tombent? Combien de vos amis y sont éjectés, les pauvres? Éjectés avec les téléphones, avec ta mère, éjectés. Tu peux même pas leur parler de Shabbat, tu peux pas leur parler. Pas de Torah, de Shabbat. On est en danger. Alors c'est vadaï que quand Akadosh Baruch Hu voit ses enfants dans un danger pareil, il a les yeux sur nous, il nous guette sans arrêt, qu'on fasse attention, plus que jamais au monde. Alors il est proche de nous, Hachem. Qu'on fasse un peu notre part de Hanil et Dodi. Qu'on fasse un pas vers lui. Combien il est Rahman, je te marche mon âme. Aujourd'hui, on devait être dans une situation beaucoup plus grave que ce qu'on est aujourd'hui. Le 7 octobre dernier, c'est pas que le Hamas qui devait rentrer. De trois endroits, il devait rentrer. Akko, Batzafon, Ashkelon, Badarom, et Rekem, Bamizrah. Il devait rentrer des trois endroits. C'était Matkefa Meshulevet. Il devait rentrer des trois endroits en même temps. Il devait paralyser toute Tsahal. Tout paralyser. Si dans le sud, ils ont réussi à paralyser Tsahal, 8 heures. Que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a de réponse sur 5 ans. 8 heures, il n'y a pas un soldat. 8 heures, personne ne répond au téléphone. Ni la police, ni l'armée, ni personne ne répond au téléphone à personne. 8 heures! Dans un pays 2024, avec une des armées les plus fortes du monde. Une attaque de 3000 soldats, 8 heures, ils ont paralysé tout le sud. T'imagines s'ils rentraient du nord et de l'est en même temps? Barminan, ce qui devait. Et c'est ce qui était prévu. Quand je beaucoup. Bilbel Otamtat, eux, ils n'ont pas dit à eux. Les gens, ils disent c'est typique. Ils sont imbéciles, ces cousins, là. L'autre il l'a pas dit, l'autre il est venu tout seul. C'est ça, tu crois la raison? Bon, voilà, mais revoir Hamam Hassanah.
Il leur a mis dans la tête à eux d'aller vite, eux attendez, ta ta ta. Au moins, il n'y a que en bas qui sont rentrés. S'ils rentraient en bas, en haut et à l'est en même temps, chamichement ce qu'il devait y avoir. Chamichement ce qu'il devait y avoir. Combien quand je brûle la dernière Hamim sur nous. Et ça, c'est après qu'on a fauté. Ben Ishraï, il écrit, on termine avec ça. Il y a une des réponses d'Alaha, où là-bas, le Ben Ishraï, il a reçu une question en Elul, et il répond là-bas que bien qu'il se trouve dans le mois de Elul, et que durant ce mois-là, dit le Ben Ishraï, une minute pour lui est comme un mois entier dans l'année. Daka, kol daka, ou kehodesh lefanaï, il dit. Quand même, je te réponds. Une minute en Elul, c'est comme un mois entier dans l'année pour le Ben Ishraï. Combien il faut qu'on fasse attention à ce mois-là de Elul qui ne nous passe pas sous le nez, Hazou Shalom. Snihot, quelle heure? 6h45, t'as raison. On avance d'un quart d'heure. 6h45, c'est Kedai. Snihot, les Fahot, Snihot. Zechoutoulo, il dit le tour, je vous lirai le tour blindé la semaine prochaine. Zechoutoulo, tout ce qu'un homme peut faire comme effort au mois de Elul, Zechoutoulo, il dit le tour. C'est un zechout pour toi. Pour toi, c'est zechout et on a besoin de zechouyot à Botay. On a besoin de zechouyot, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Hazou Shalom de dire ou de croire qu'à lui, ça n'arrivera pas. Hazou Shalom. Il y avait un Gaon il y a 40 ans, Prime Freelander. Vous avez ici des livres, Siftei Chaim. Une fois, il avait des douleurs aux dents. À Bnei Brak, il habitait. Il était Mashgiach Haponovitch. Il est parti chez le dentiste. Ils ont dit même le nom du dentiste. Le dentiste, il vérifie ici, il dit, Vodra, c'est pas un problème de dents. Ben, Minan, il avait la maladie. Quand il lui a annoncé ça, le dentiste, après les analyses et les radios, tout ça, c'est quoi sa réaction? La première réaction du rabbin, c'est quoi? Oh, si j'avais su. Quoi, si j'avais su? Si j'avais su à Rosh Hashanah, si j'avais su à Rosh Hashanah. Bevadai haiti mevatel takzera, comme ça il a dit. Bevadai haiti mevatel takzera. Faites sans aucun doute, j'aurais annulé cette xera-là. Si seulement j'avais su à Rosh Hashanah. C'est la première réaction du Rav. Il y a encore beaucoup d'histoires de tzadikim qui ont réagi face à un malheur de cette façon-là. Si j'avais su à Rosh Hashanah. Parce que tout dépend de Rosh Hashanah. Tout dépend de Rosh Hashanah. Et quand le tour il nous dit, si jamais un homme il se lève au slichot et il vient, il fait Zechout ou lo, c'est un zechout pour lui, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous le zechout. C'est dans notre intérêt. Et combien on a besoin de zechouyot. Dit Rav Biderman qu'il était il y a 2 semaines avec un grand Tamid Racham, un grand Rav, un mash, Yereshamaim, Hasid, veze. Il y a 2 semaines pendant Rav de Ravine, ça veut dire Seudah Shlishit. Et ce Rav-là, il a raconté au Rav Biderman que cette année, non, allez, nous, il a perdu sa fille. Il a perdu sa fille. Fille jeune, elle était mariée, avec un enfant, 2 enfants, il a perdu sa fille. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que s'il savait à Rosh Hashanah que ça pouvait lui arriver à lui aussi, alors il aurait réagi différemment. Ça veut dire quoi? Qu'on entend des choses, on entend des choses, chemichement, on entend des choses. Mais là-bas, dans les informations, dans les livres, dans les journaux, dans les... Et là, bah, au Hachem, j'ai dit, ça va, tout va bien. Il faut tout faire, il faut des srouillottes. Il faut beaucoup, beaucoup de srouillottes. On veut pas, on n'est pas là pour avoir peur, ni pour faire peur, ni pour quoi que ce soit. Enfin, regardez autour de nous. Il faut regarder autour de soi ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de chercher loin. Il y a des choses qui se passent. Et on ne veut pas que ça leur arrive, et ni que ça nous arrive. Pour ça, il faut des srouillottes. Les srouillottes, c'est quoi? De payer beaucoup d'argent, de ne pas dormir toute la nuit, de faire des tagnottes tous les jours. Non! De se réveiller un petit peu.
faire les slichot avec un peu de kavana. C'est à quoi? Se réveiller du sommeil dans lequel on a dormi pendant 11 mois. Notnim la betula, shnei masa chodesh. Comme c'est écrit dans Ktubot. Notnim la betula, shnei masa chodesh. La betula, kavana, la jeune fille qui va se marier, on lui donne 12 mois entre les kiddushin et les nisouin. Notnim la betula, shnei masa chodesh. Betula, vous avez compris, c'est quoi betula? Chodesh elul? Ce chodesh elul là, notnim lo shnei masa chodesh. Les 12 mois à venir, ils dépendent du chodesh elul. Notnim la betula ou chodesh elul, betula, shnei masa chodesh. Les 12 mois à venir. Les 12 mois à venir, à quoi ils vont ressembler? Les 12 mois suivants, à quoi ils vont ressembler? Ils vont ressembler à quoi va ressembler ton mois de Elul. Voilà à quoi vont ressembler les 12 mois suivants. Ça vaut le coup d'investir en bataille. Ça vaut le coup. Un mois sur 12, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il faut investir. Il faut investir, ça vaut le coup. Zechut ou lo, c'est un zechut pour toi. Pour toi, c'est un zechut, il dit l'auto. Zechut ou lecha, c'est tout. C'est pour toi. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre. Il faut. La fni medzek. Il faut comprendre que c'est des zechuyot pour nous-mêmes. On sauve notre peau en faisant ça. On améliore notre vie en faisant ça. En se prenant en main, encore une fois, pas besoin de faire des tarniot. Pas besoin de faire rien. Se réveiller un peu, faire hajbon nefesh, étudier un peu mieux, faire un peu moins de bitul Torah, surtout Torah, Torah zachir rachou. Bizkhoutze, zkhoutolo. Un homme, il aura une bonne année. Il aura. Vous voulez des ivougim, non? Vous voulez des shidouchim, non? Des bons shidouchim. Après, les shidouchim, il faut des enfants. Des bons enfants. Et après. Il y a plein de choses encore dans la vie. On a besoin de plein de choses. Et toutes ces choses-là, elles dépendent de Rosh Hashanah. Shem Mizakim. Baruch Adonai Le'olam. Amen.